Ah, que coucou, bien le bonjour tout le monde, c'est Néo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 17 de The Legend of Zelda Twilight Princess. J'enregistre tout de suite à la suite du 16. On vient d'obtenir le grappin contre ce boss crapaud absolument dégueulasse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout de suite chercher l'objet qui était en haut du toboggan sur la droite. Je sais plus si c'est la boussole ou si c'est un fragment de cœur. Si c'est un fragment de cœur, on pourra aller directement aussi dans la salle principale en rechercher un. Donc on va y aller tout de suite, on va pas perdre de temps, il faut qu'on arrive à remonter à l'étage. Est-ce que je peux faire ça d'ici? Je crois que non. Je crois que non, il faut que je remonte. Non, descends, imbécile. Voilà, on récupère un petit peu de rubis, on est reparti pour une demi-heure. J'espère finir le donjon, mais je promets rien. Pas l'impression qu'on puisse remonter à partir de là. Ce que je vais faire, c'est qu'on va faire demi-tour. Faut que je remonte de toute façon. Il faudra qu'on revienne dans cette salle une fois qu'elle sera inondée pour aller chercher un autre fragment de cœur dans le trou là-bas. Voilà, voilà, plein de choses à faire dans cet épisode en essayant de finir le donjon si possible. Si possible, je ne promets rien. Déjà, faut qu'on se fasse tout un demi-tour pour aller chercher cet objet qui nous intéresse, du moins qui m'intéresse moi. Qu'on va peut-être... Ah, voilà, il y a de l'eau. Le niveau de l'eau va monter en bas. Voilà. Et ensuite, il faudra mettre l'escalier dans le sens de la flotte pour que ça alimente l'hélice de l'autre côté, en fait. Et que ça fasse tourner la perte. Alors, est-ce qu'à tout hasard, je peux monter, s'il vous plaît? Voilà. C'est pourtant un truc tout con, mais c'est vrai que bah c'est pas évident. Pas évident à trouver en fait. Hop là, voilà. Encore un et on augmente l'énergie vitale. Alors ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est redescendre du bon côté. C'est-à-dire pas par là. Où est l'escalier? Ok, très bien. Link est un abruti fini. Il vient de plonger sur des marches, con. Alors maintenant, ça va faciliter nos déplacements également, le grappin. On peut passer par-dessus les murets, là où il y a du lierre. Donc ça va faciliter grandement le déplacement, mais d'abord, on va rechercher le truc qui nous intéresse. Histoire qu'on fasse pas tout pour rien, salut. Et vous, je peux vous tuer également, je peux vous enlever votre carapace de merde, mais par bonté dans... Par bonté divine en moi, tout simplement, je ne vous tuerai pas maintenant. C'était à l'autre bout. On se retapait tout le chemin. Oh, c'était beau, c'était magnifique, vous devez applaudir derrière votre écran, c'était tout ce qu'il y a de plus beau. Il y a bien du lierre là pour passer de l'autre côté, ben non, alors faut que je fasse par là. Et ensuite, je me demande pas si ça va être un truc genre super chiant. Hop, faut que j'aille avec mes bottes pour pas glisser. Peut-être que je peux y aller plus vite. Comme ça, mais non. Allez. Crétin. Bon, allez, c'est parti, on y va en roulade. Je suis désolé, ça va être long. Ça va être très très long, mais si j'enlève mes bottes, et bah figurez-vous, bah que je glisse. Allez, on y va. Tire-li-pimpon sur mon chihuahua. Mange des bonbons, c'est bon pour ton fion. C'est... Oh là là, je suis vulgaire. Je vais avoir des procès au cul parce que je suis quelqu'un de très vulgaire et je suis tout à fait d'accord. Je plaiderai coupable. Je ne suis pas d'accord avec ce que je fais, mais je n'y peux rien. Je le fais, donc j'acquiesce. Donc, je suis moi. Et je vous raconte de la merde juste pour que vous appréciez mieux cette ascension pour je crois que c'est la boussole. Ah, je sais plus, je me tâte. Fragment de cœur ou boussole, je crois qu'il y a deux fragments de cœur, je crois, dans les donjons. Et je me trompe peut-être. Je me trompe même sûrement, mais. Et voilà. Voilà, le doute s'immisce en moi et je parierai quand même sur la boussole. Allez, on parie sur la boussole parce qu'on ne l'a pas encore. Les boussoles dans le jeu, elles sont un peu plus compliquées à avoir. On y arrive. Alors surtout ne pas faire la bêtise d'enlever les bottes maintenant. Non, ce serait très con.
Hop, est-ce qu'on peut passer? Il faut qu'on se rapproche encore un peu. Je l'ai désolé, j'ai toujours des retoqués. Hein. Je crois qu'il y a un monstre derrière moi. Ok. Hop. Allez. Eh ben non, c'est un rubis violet. Bordel de merde. Aïe 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 aïe. Je viens de vous faire perdre 5 minutes pour un rubis violet. Pour la peine, l'épisode il sera un peu plus long de 5 minutes. Je suis désolé, je pensais que c'était beaucoup plus intéressant que ça, mais non, je me suis fait eu. Ma mémoire m'a fait défaut et m'a joué des tours, j'en suis navré. Ne m'en veuillez pas, s'il vous plaît. Faudrait que j'aille voir au fond de la salle centrale si. Il n'y avait pas la boussole, je sais plus où est la boussole, c'est fou ça. Je ne sais plus du tout. Ça va pas, ça va pas, ça. Jackie Chan. Pourquoi Jackie Chan? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Après tout, qui êtes-vous pour me dire quoi faire? Jackie Chan, c'est quelqu'un de très très gentil. Je l'ai rencontré une fois en rêve, et ben je peux vous dire qu'en une nuit, je maîtrisais le kung-fu. Eh, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas donné. On peut pas tout faire, moi je maîtrise le kung-fu. Pas vous, vous êtes jaloux, c'est tout. Ah, attendez, on va juste mettre les bottes pour éviter de tomber comme un con. Hop, hop. Et on va faire le tour du propriétaire, voir s'il n'y a pas le... un coffre qui traîne, sachant que... Non, je crois pas que la boussole était par là. Bon, allez, zou. On va pas perdre de temps, j'en ai déjà perdu assez. Oui. Hop, allez, direction l'étage de gauche. Tac, voilà. Et maintenant, les hélices tournent, donc on peut passer. Voilà. Et je crois qu'après, on va arriver dans les salles chiantes. Mais ça chiante que je vais essayer de passer sans trop me fail. C'est la salle du milieu avec les tourniquets. Et bah c'est celle-là. Mais ça tourne pas encore, donc là ça va, c'est pas trop chiant. Ça reste encore du domaine de l'acceptable, vous voyez, c'est tranquille. Oui, le le but du jeu c'est de pas tomber en fait. Ce qui corse les choses un petit peu. C'est des salles très chiantes parce qu'en plus, oui, en plus, il y a des chauves-souris, sinon c'est pas drôle. Alors là, si je me lâche, je crois que je peux descendre là-dessus. Oui, je peux. Voilà, et puis Link fait des roulades aussi. Et s'il y a les trucs qui nous attaquent... Oh putain, j'ai du bol. Tout ça pour... Et bah pour des hydrobombes! Des hydrobombes, c'est très cool les hydrobombes. Ça fait boum quoi. Alors, il y a une porte en bas. Mais nous, je crois qu'on va d'abord aller prendre la porte en haut. Je sais plus. De toute façon, je crois qu'il y a que ce chemin là pour le moment. Non, Link à gauche. Ensuite, faut qu'on vise plus haut, je crois. Sans se louper. Voilà. Ensuite, on va ici. Tac. Je n'aime pas du tout cette salle-là. Je compte même plus le nombre de fois où je suis tombé. Faire de la merde ici. Et donc là, on arrive. Je vais voir si... Oh, bonjour. C'est plus facile de l'avoir parce que là, hop, on peut le retirer directement avec le grappin. Et voilà, ça disparaît tout seul. Donc là, il faut qu'on fasse arriver l'eau. Là, bien évidemment, ça va être ça. Je les ai pas combinés vu que je suis un crétin. Je fais de la merde. Voilà. Restons calmes. Voilà. Allez. Merci. Voilà. Oui. Oui. Non, oui. Ouh. Ah oui, attendez. La technique ici, elle est très simple. Il suffit de lever la tête. Et voilà.
J'ai des bribes de mémoire comme ça qui reviennent à chaque fois, mais je suis assez fier de ça. Ça fait quand même pas mal d'années que je n'ai pas joué. Je sais plus, il y avait les dates sur mes dernières sauvegardes. Oh, je sais plus. Mais ça, je voulais pas faire ça, je voulais faire le grappin. Ça m'aurait évité de gaspiller une flèche et une bombe. Cache. Là, il y en a un deuxième. Oui! Voilà. Ensuite, pour passer. Il n'y a pas un coffre derrière? Non, il n'y a pas de coffre. Pour passer. Eh ben, c'est de l'autre côté. Ah, attendez. Ah, il y a des flèches. Oui. Ouh. Hop. Voilà. Lâche-toi! Loupé! Bravo! Bravo, crétin! Là, par contre, je crois qu'il y a des piranhas parce qu'il y a déjà de la flotte. Allez, zou. Est-ce qu'à tout hasard, il y a déjà des piranhas ici? C'est bizarre, j'en vois pas. Je suis miro ou quoi? Ah, si, vous voyez, là, il y a plein de petits piranhas. Donc, quand on tombe, il va nous. Et je sais pas ce qu'ils ont foutu avec ce jeu. Ils ont dû enlever des collisions. Et du coup, pour lui, il y a de l'eau en dessous, quoi. Enfin, je sais pas comment ils ont codé ça, mais c'est un peu des crétins. Oh, tu fais moins le malin, hein. Hey, ça a pris de cochon. Hop. Alors là, il s'agit de passer. Pas maintenant. J'aurais perdu. Ouh, si c'est bon. Pouf. Pouf. T'as l'air con. Voilà. Peut-être ici qu'il y a un quart de cœur. Oh, je ne sais plus, moi, avec tout ça, je suis perdu. Voilà. Tranquillou, tranquillou. Link s'amuse à faire Spider-Man. Tout, je te laisse en vie parce que je suis généreux. Voilà, ça me perturbe de voir l'arc avec les bombes. Ce serait un coup à le sortir sans faire exprès. Voilà. Là, ça doit être des hydrobombes, encore une fois. Donc, on les prend. Voilà, comme d'habitude. Vilé. Ensuite, il y a. Ah, ça doit être là qu'est la boussole. À laquelle je ne peux pas accéder. Allez, voilà. Ponk, ponk. Là, ça doit être la boussole. Voilà! Passe-moi cette cinématique! Oui! La boussole! Donc il y a bien que deux fragments de cœur hein, dans chaque donjon. Enfin, dans chaque, je ne sais pas, mais je crois qu'il n'y en a que deux dans les trois premiers. Ça doit être ça, hein. Enfin, je pense. Je sais plus. Oh. Si, je crois que c'est deux. Je regarderai sur mon bouquin. J'ai toujours pas sorti mon bouquin. Avant chaque donjon, il y a écrit le nombre de trucs qu'il y a. Oui, toboggan. Oui, toboggan. Un toboggan. C'est très très bien les toboggans. Ah, il y en a un que j'ai pas tué par contre. Ouais, s'en fout. Wouh! Oui! Bête, 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 bête. Il y a des piranhas. Aïe, 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 aïe. Monte, monte. Aïe. Voilà, les piranhas m'ont bouffé. Il n'y a pas moyen de les tuer, hein. Cherchez pas, à part en leur tirant dessus. Arrêtez vos conneries. Voilà. Hop là. Et voilà, on a activé les deux vannes. Maintenant, il va falloir qu'on aille chercher la clé du boss. La clé du boss qui est quelque part dans ce donjon, figurez-vous. C'est fou, hein. Je crois qu'il faut que j'aille par là, voilà. Alors, on va regarder la carte. Il y a pas mal de coffres. Il y a encore des coffres ici. Ouais, j'ai pas eu un coffre à droite. Ouais, il y a encore pas mal de trucs à faire, quoi, ici. C'est le bazar. C'est le bazar complet et total. Bonjour. Wow, salut. Vous avez l'air pas très gentil. Il y a un coffre qui traîne ici. Laisse-moi. Il y a un coffre qui traîne de l'autre côté. Laisse-moi. Oui. Il y a un coffre ici. Hop là, donne-moi des rubis. Ça doit être 50. Eh ben non, 20 dans un gros coffre, très utile. Ah. Ah.
Esquivons les méduses. Et sortons par ici. Faut qu'on aille dans la salle du milieu de toute façon. Faut qu'on aille par ici. Il faudrait même que... non, pour l'instant j'ai pas besoin de descendre. Ça descend en dessous, faut que j'aille dans la salle en face en fait. Faut que j'aille dans cette petite salle en face. Mais elle est en dessous. Et d'abord, j'aimerais manger du poulet. Alors, punaise. Un coffre ici. Ouh, toi! Et dégage! Tu tombes. Il y en a un autre, non? Eh, viens là, poteau. Bon, toi, tu t'en fous de moi pour le moment. Non, loupé. Saloperie. Là ah là ah. Je le veux, je le veux, je le veux, je le veux. Oui, c'est bon. Ouh, faut prévoir et tout, c'est de la préméditation, quoi. C'est un truc de fou. Alors ensuite, préméditation ou non, il s'agit de pas faire le con. Hein? Déjà là, je me suis bloqué. Il faut que j'aille là-bas, c'est ça? Si je regarde à droite. Merde, c'est par où? Si c'est à droite, il faut que j'aille. Donc s'il faut que j'aille à droite, je peux tenter de sauter. Oh punaise, c'était beau. Alors ça, ça c'est une chauve-souris. C'était beau, c'était beau. Hop, tic. Et monte. Alors maintenant, il s'agit de pas faire le con, voyez. Vous voyez ce que je veux dire? Il s'agirait même d'être plutôt intelligent. Ok, ça c'est bon. Je pense même que je peux me poser. Si je me fais pas attaquer. Allez, vite, 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 vite. Non, 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 laisse-moi, 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 laisse-moi. Non, putain. Et je repop là-haut, c'est ça? Oh, God. Je déteste cette salle. Est-ce qu'à tout hasard, je peux pas directement descendre là? J'en sais rien, je me lâche. Oh putain. Sachant qu'il faut que j'aille te parler en fait. Toi, dégage. Je peux pas descendre par ici. Oula. Ah, quoique. Attendez. Je me demande si je peux pas descendre ici. Dégage, toi. Non, 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 fais pas le con. Arrête tes bêtises. Jean-Michel, tu te calmes. Ouh. Si, je peux descendre par là. Oh, c'est bon. Non. Oui. Non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre à l'ancienne. Voilà. On va descendre correctement, hein, sinon on va pas s'en sortir de toute façon. Non, bah non, ça c'est pas le bon plan. Est-ce que je pourrais viser plus bas, s'il vous plaît? Je hais cette salle à un point. Voilà. Alors par contre, j'ai l'impression que je pense que je vais être dérangé. Alors que j'ai pas envie d'être dérangé, ça me fait chier. Ouais, bah non, je suis con en fait, je me suis bloqué. Aïe, aïe, aïe. Pas forcément, attendez. Faut que j'arrive à choper ce petit truc là. Ce qui reste d'être très facile, hein. Sans compter sur l'aide de ces petites chauves-souris qui sont très amicales. Voilà, c'est bon. Allez. Non, oh merde, tu con, j'aurais dû me lâcher là. Quoi que je peux me lâcher là, peut-être. Je vais me lâcher sur l'autre.
Et je vais essayer d'avoir les chauves-souris avant. Comme ça sera un peu plus simple. Voilà. Alors, c'est l'heure du tir à la chauve-souris. Ok, je vais pas réussir. Non, je vais pas réussir. Et puis je vais me faire attaquer dès que je vais vouloir y aller. C'est pas vrai, dites-moi pas que je suis trop petit. Vous vous foutez de moi là? Ça va jouer un ou deux centimètres et je peux pas les tuer elle. Ouais bah non, bah je vais pas y arriver, je vais gâcher toutes mes flèches comme un crétin. En fait, je vais peut-être m'arrêter sur le chemin en fait et pas tout faire d'une traite. Tu te fous de moi là? Mais arrête-toi! Ah, c'est bon. Non, toi tu me tapes pas, t'as pas le droit, de me taper. T'as pas le droit. Non, tu me vois pas, tu m'as loupé. Oh, tu m'as loupé. Ok. Ok, très bien. Évidemment, on peut pas s'accrocher là-dessus. Hein. Vite, 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 vite. Oh, oui. Ouf. Voilà qui est déjà mieux. Alors, ensuite, voilà une salle labyrinthique. Il faut que je retrouve le chemin, du coup. Ouais, je vais me faire déranger dans pas longtemps. Ça va m'emmerder. C'est pas possible. Je crois que c'est la salle pour la clé du boss. Donc, c'est plutôt intéressant de l'avoir maintenant. Tac, 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 tac. Ouais, c'est par là. Faut essayer de suivre le chemin sur le... sur le truc, c'est-à-dire pas ce que je fais là. Et je suis bloqué. Voilà. Valivalu. Par ici peut-être. C'est pas par ici. Hop. Par ici peut-être. Non, je vais retourner au début, c'est ça. Ok, très bien. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une petite coupure. On se retrouve tout de suite. Re, désolé, ça fut une longue coupure pour moi, ça fait 8 minutes, donc je sais pas à peu près à combien de temps on est. Je vais continuer, je vais aller chercher la clé du boss. Je suis désolé, je vais peut-être parler un petit peu moins fort, c'était pas prévu, il est encore assez tôt chez moi, et du coup bah, je suis dérangé sans que ça soit... Désolé, cette coupure n'était pas voulue, elle n'était pas de mon ressort. Alors c'est pas par là. Ça doit bien être par là. Je sais qu'il y a un endroit où il faut faire péter avec des bombes. Peut-être pas. Peut-être pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Ça me perturbe tout ça. Ça me perturbe. J'en suis désolé. J'arrive plus à faire ce que je veux faire du coup. Ah, c'est là. Il faut que je pète ici. Tac. J'espère ne pas être dérangé, normalement ça devrait être bon. Mais voilà, sait-on jamais. Évidemment, ça va pas la péter. En plus, j'ai plus beaucoup de vie. Si, c'est bon, ça marche. Toi, par contre, tu dégages. Voilà. Allez. C'est bon. Continuons notre chemin. Je crois qu'il y a un deuxième truc à péter également. Je sais plus. Peut-être, peut-être pas. Ah, je crois qu'il faut passer plus bas en fait. Faut passer par en dessous. Attendez, on va aller voir ça tout de suite. Je crois qu'il faut que je passe par en dessous. Non? Non, c'est bon là? Par ici? Ou par au-dessus? Attendez, peut-être une coupure, je ne sais pas. J'espère pas. Moins que ça soit avec le grappin. Où je passe par au-dessus, putain.
Évidemment, il y a des piranhas. Hop. Non, c'est bon, je me fais pas interrompre. Tant mieux. J'ai perdu du temps en plus pour rien, c'est cool. Et je me fais électrocuter. J'ai plus beaucoup de vie, ça m'inquiète. Il faudrait que je boive une potion. Histoire de pas crever comme un crétin. Alors, c'est peut-être par là qu'il faut que je passe. Ou pas. Des hydrobombes, c'est cool. Si, il y a une porte pas loin. Il y a une porte de l'autre côté, en fait. Qui doit être plus bas. Voilà, c'est ici. Je me disais bien qu'il y avait un autre endroit avec des bombes. Et c'est ici. C'est bon, on va pouvoir la récupérer. La clé du boss. Essayer d'aller faire le boss assez rapidement. Parce que j'ai pris du retard. Et par contre, du coup, oui, il se commence à se faire tard. Pas très pratique tout ça. Hop, allez, remonte Link. Fais pas le crétin. Voilà. Ouais, je suis un peu à la dèche niveau cœur là. Je vais peut-être. Moins qu'il y ait des cœurs par ici. Tac. Non, tac. Tac. Voilà. Donnez-moi de la vie, s'il vous plaît. Ou des rubis, accessoirement, oui, mais moi je préfère de la vie. Voilà. Un petit cœur. Un petit rubis. Ouais, je me suis bien fait là en rubis dans ce donjon. C'est cool. Et plus beaucoup, et puis là ça va un peu mieux. En plus, c'est des rubis de 10, donc c'est cool. Tac. Voilà. Et là, faut pas faire l'erreur de se lâcher tout de suite, faut se laisser descendre. Pouf. Et là, la clé du boss. Donc on peut aller faire le boss, mais avant ça, on va aller chercher le deuxième fragment de cœur. Le deuxième fragment de cœur, donc maintenant on ressort. Hop, allez, on se casse. On se casse de cette salle. Faut qu'on retraverse l'autre salle. Oh la vache. Ça va être compliqué tout ça, ça va être compliqué, moi je vous le dis. C'est bête parce que j'aurais coupé à ce moment-là, j'aurais pu refaire ça en off. Mais évidemment, j'ai coupé à un moment important, ce qui n'est pas très pratique. Allez, ouf. On repasse par le trou. Ça devait être par là. Oui, par là, on peut repasser. Hop. Des cœurs, s'il vous plaît. Des rubis, oui. Bah, devenons riches. C'est 600 ma limite, je crois. De toute façon, on est bientôt à la limite. Tu remontes, Link. Arrête tes conneries et tu remontes maintenant. Arrête tes conneries. Voilà. Allez. T'es pas handicapé. Tu peux monter sur de la pierre, oui. Hop, voilà. Bon. Là, ça va être marrant. Ça va être plutôt drôle. Bon, pour moi, j'en ai eu deux. C'est déjà pas mal. Tac. Alors, il va falloir s'accrocher sur les différentes plateformes. Genre celle-là, ça devrait aller. Non. Tu peux l'avoir. Crétin. Il faut attendre un tour, c'est long. Désolé. Désolé, je vous fais perdre votre temps. Je suis navré. J'ai été perturbé par cette coupure. Ça aurait pas dû arriver aussitôt. Mais voilà, il se trouve que c'est arrivé aussitôt. Donc j'en suis désolé. Maintenant on attend de faire le tour pour se déplacer, pour se poser sur cette petite plateforme. Et il restera plus qu'à aller chercher le fragment de cœur. Ça passe, voilà. Le fragment de cœur, aller à la salle du boss et on sera plutôt bon. J'ai pas envie de recommencer un autre épisode dans ce donjon, ça servirait à rien. Donc quitte à ce qui dure un petit peu plus longtemps, au pire c'est pas trop grave. Là normalement je devrais avoir à peu près rattrapé le retard, on doit être à une demi-heure de vidéo. Donc on va continuer encore un petit peu. Alors là le but, donc là la salle est remplie, on pourrait aller faire le boss tout de suite.
Voilà, on peut accéder à la salle du boss qui est au centre, mais le but, ça va être de faire arriver l'eau à l'étage du bas. Donc il faut qu'on tourne l'escalier. Il faut qu'on monte et qu'on tourne l'escalier dans l'autre sens. Ah putain. Allez, c'est parti. Allez, cours Link, tu peux le faire rapidement, tu es un warrior. Parce qu'il faut que l'eau arrive à l'étage d'en dessous, de ce côté-là. Donc, il faut faire tourner l'escalier. Hop là, allez, souffle. En plus, maintenant, on peut naviguer où on veut grâce au grappin. Et au pire, on fait ça, tranquille. Tac. Tranquillou. On se lâche. Un petit coup de toboggan. Voilà. Et normalement, on va pouvoir aller chercher le fragment de cœur. Et avoir un cœur de plus. Ce qui nous en fera 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 à la fin du donjon. C'est pas mal. Là, il va y avoir une petite cinématique. Très vite fait. Voilà, c'est la magie des Wings. Je peux nager jusqu'au pont. Oui. Voilà. On se met sur la petite dalle. Crétin. C'est pas ça. C'est ça. Tac, tac, tac. Voilà. On dégomme lui. Et pfiou, coup de grâce. T'es mort, ma biche. Et voilà le deuxième fragment de cœur du donjon. Et vous obtenez un réceptacle de cœur. Ce qui est plutôt agréable dans l'ensemble. En plus, on régène full life, ce qui est cool. Hop, on se lâche. Maintenant, on remonte. On remonte. On peut remonter directement par là. Évidemment, je me suis loupé. Enfin, quoi que non, ça passe par là, c'est bon. On essaie de ne pas perdre de vie jusqu'au boss, ça serait cool. Et maintenant, on peut aller faire le boss. Corrigez-moi dans les commentaires, mais je crois pas avoir oublié de fragment de cœur. Les coffres qui restent... Il reste un coffre au milieu. Ok. À l'étage moins 1, il reste un coffre en dessous. Ah oui, c'est des rubis. C'est des rubis, effectivement. Et puis là, il doit rester des rubis également, on s'en tape. C'est pas des fragments de cœur qui nous intéressent, qui se cachent ici. Je peux peut-être aller chercher le coffre avec les rubis à la limite. Faut juste que je trouve un endroit où descendre. Ce qui ne devrait pas poser trop de problèmes. Évidemment, je dis ça et je trouve pas d'endroit où descendre. Hop. Oh, on peut se rattacher une fois qu'on tombe, c'est vrai. Le coffre, voilà, le coffre est là. Ça doit être 50 rubis, un truc comme ça. Et si c'est 50, ça rentrera pas dans ma bourse. À moins que. Est-ce que c'est quand la bourse est pleine ou pas? Non, c'est 20. Bon, bah, c'est 20. Voilà. Allez, direction le boss. Ça suffit les bêtises. Tic. Où est cette entrée de merde? Voilà. Un boss que j'aime particulièrement. Qui est vraiment cool, je trouve. Enfin, la bagarre est assez sympa. Je crois qu'il y a bien une fée qui va traîner. Ouais, non, c'est bon, pas besoin de fée, on s'en tape. Allez, on y va. C'est parti. On y va en mode warrior du ghetto. J'ai confiance en mon talent et mes capacités. Alors, nous sommes dans une petite salle 2 et on va se laisser tomber. Voici l'arène du combat. On peut aussi enlever les bottes et puis plonger. Autant mettre les bottes, c'est plus rapide. J'aime beaucoup ce système d'arène. Il n'y a jamais eu ça en arène de Zelda. Ah si, dans Age, je crois, Oracle of Age, et une arène aquatique également. Mais c'est pas pareil, c'est pas la même sensation. Un œil. Ils ont tous un œil en fait. Le premier l'avait dans la bouche,
Le deuxième, il avait sur le front. Enfin, c'est un joyau, c'était plus un joyau. Et là, c'est un monstre. Shazam. Octolante. Octolacante. Poisson fossile du crépuscule. Alors là, il faut choper l'œil. Reviens. Ok. Je l'ai touché une fois. Maintenant, il va m'envoyer des poissons. Des poissons bulles. Pardon. Qu'est-ce qui fait des bombes? Il faut que je trouve l'œil en fait. Oula. Non, non, non. M'attrape pas. Ok, c'est pas très malin de ma part. Il m'a bouffé. Ça fait longtemps que je l'ai fait, donc je ne sais plus, mais il faut que je chope l'œil, c'est tout. Une fois que l'œil sera chopé, je crois que je peux tirer. Je peux tirer avec le grappin de toute façon. Alors, où est l'œil? L'œil circule entre les nageoires. Non. C'est un peu le bordel par contre, hein, c'est cette bataille. Je vais vous l'avouer. Non, m'attrape pas. Voilà. Alors, le mieux c'est d'y aller encore au feeling. Je vais me faire péter la gueule. Aïe, oh la vache. Oh, je l'ai eu. Ah, est-ce qu'il va sortir? Ouais, c'est bon, fallait juste le choper deux fois. Maintenant, ça risque d'être un petit peu plus facile. Un petit peu plus simplicito. J'aurais dû finir cet épisode il y a 20 minutes quand même. Hein. Ce n'est pas bon dans le timing. Voilà, donc là on a la bébête en bonne et due forme. C'est un gros poisson. C'est le chat de, je sais plus comment elle s'appelle, dans le village de Toal qui serait content. Allez, c'est parti. Et maintenant, c'est une fight à la nage. En essayant de pas se faire bouffer. Je nage à côté d'un gros poisson, hein, mine de rien. Donc on peut viser l'œil. Et... hop! Petite musique. Et... oui! Faut faire ça en fait, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué, puis il attaque pas vraiment en fait. Allez, il faut être assez près pour tirer le grappin, chose que je ne suis pas. J'arrive pas à saisir la distance d'affichage quand je vise. Hop, 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 hop. Voilà, ça c'est bon. Hop, 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 et au prochain coup, c'est bon. Au prochain coup, je devrais avoir le coup de grâce qui s'affiche. Alors, suivre son déplacement et anticiper. Voilà. Coup de grâce. Coup de grâce. Et debout. Bam! Voilà. J'aime beaucoup. Ça a beaucoup la classe. Voilà, voilà, voilà. Tac, 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 tac. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas lancer la cinématique qui suit. Je crois que quand je vais relancer le jeu, au pire, ça relancera la cinématique. Je sais pas. Bon, on est plus à ça près. On va laisser... on va laisser ça, au pire, ça va. C'est pas grave. Quoique, non, c'est assez long, je crois, comme cinématique. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là, et quand on relancera le jeu, ça lancera directement la cinématique, je crois. Un truc du genre. Et voilà. Un nouveau réceptacle de cœur. Et le dernier morceau du cristal d'ombre. Qui ressemble, hein, si vous avez remarqué, étrangement au masque de Midona, quand même. Gagné! Voilà, enfin le dernier cristal d'ombre. Et il est pour moi. Ne m'en veux pas, mais j'ai vraiment besoin de la puissance magique de Cerulic. En échange, je te promets de faire quelque chose contre Xanto. Les pouvoirs magiques qu'il ne possède ne sont qu'un leurre. Et je te prouverai en utilisant les pouvoirs de ce cristal. Dis, j'ai enfin obtenu ce que je cherchais. Je suis désolé de t'avoir traîné un peu de force partout. De force un peu partout. Hop. Bon, eh bien, on sort d'ici.
Bon, on va s'arrêter là pour l'épisode numéro 17, il a déjà duré un peu trop longtemps. J'espère que l'épisode vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers un commentaire, vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Twitter, c'est dans la description. On a récupéré un nouveau cœur. On s'arrête là, on va pas sortir du donjon, parce que sinon ça va lancer une cinématique, et j'ai pas envie de lancer la cinématique. À la prochaine, bisous sur vos fesses, caresses sur le bout du nez. On s'arrête là. Bisous de grand-mère.